Bonjour. Bonjour. Mais elle a... Je vais vous demander. Pardon. Ah non, jamais, il n'y a jamais eu le panier avec. C'est une cocotte. Ouais. Ah Steph, tu te souviens? Ah ouais, c'est bon, hein. Non, parce qu'il était plus cher. Oui. Non, c'est à qui ce stand bizarre? Non, bon, ça, ils vendent des jeux de Switch, le mec. Non, ah, pas ça, je vais me faire tuer. C'est Sandar avec Michel. Et on se retrouve pour le LPPR des vide-greniers geek. Et on a fait des vide-greniers beaucoup, 5-6. Et du coup, on a quand même vraiment trouvé beaucoup de choses, on est très contents. On va vous faire découvrir ça. Encore un gros coup de fusil qui va ressembler à celui de la semaine dernière. Moi, je suis premier étonné parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent et là, on retombe dessus. Comme par hasard. Beaucoup de cartes, vous allez le voir, beaucoup de choses. C'est super cool. À cause de Retroxidia et de ces gros coups de fusil de type Super Nintendo. Franchement, voilà, on te dit bravo Retroxidia. Ouais. Il est très jaloux. On a regardé ta vidéo très en retard en fait, hein, c'est pour oui, ça. Aussi, ouais. Mais on l'a regardé et du coup, on est très jaloux et du coup, bah, on s'est levé très tôt. On est arrivé sur un vide-grenier, mais il y avait déjà v'là le monde, donc on est super déçus. Et du coup, moi j'ai foncé. C'est pour ça qu'on n'était pas tout le temps ensemble. Ouais. On est parti un peu dans tous les sens, mais on n'a rien trouvé de ouf non plus. Bah si, mais pas de console en boîte quoi. J'ai trouvé une moto avec le Batman dessus. Le Batman version bleue. Et je l'ai payé 6€. Alors, Sarah, il n'est pas content parce qu'il trouve que c'est trop cher. À la base, c'était à 7€. Ah, j'ai négocié 1€ quand même. Moi, je trouve ça cher pour un jouet, mais bon, Sandra est contente. Il n'y a pas l'année dessus. Non, et moi, je suis contente parce que c'est Batman. Elle a sorti à mes cheveux. Je suis désolée, mais c'est pas même bleu, Alors, moi, je vais enchaîner par un magazine. Je suis très content. J'ai trouvé le numéro 1, août-septembre 2014, du coup, de The Game. Cultiver votre envie de jouer. Donc... Ce n'est pas un magazine sur le rappeur The Game. Non, c'est un magazine sur les jeux vidéo. Je suis super content d'avoir trouvé le tome 1 parce que j'en avais aucun. Je les ai jamais lus ni feuilletés, mais je connais leur réputation. Je l'ai acheté 30 centimes, donc je n'ai pas hésité du tout. Il y a des belles illustrations. C'est Patrick Brown qui fait la couverture là sur le premier. Ça parle de Witcher, Retour vers le futur, Assassin's Creed, exactement, Unity qui était le jeu annoncé à l'époque. Moi qui suis un lecteur de Canard PC, là pour le coup, bah, ça va me changer un petit peu. J'ai aussi trouvé un autre truc dans le même thème que ce que j'ai montré avant, une Batmobile. C'est le Batman de Schumacher, le Batman avec gothique. Le oui, c'est ça, avec le pingouin. Le Batman où il a des tétons. Elle date de 95. Elle est super vieille. 95 hein. Ouais. Oh la vache. Il manque une partie de la Batmobile, l'aileron arrière là. La dame l'avait oublié chez elle pour changer. Ah. Et donnez votre avis sur les Batman, justement, parce que beaucoup de gens n'aiment pas les Batman de Schumacher. Batman très gothique là, dans une ambiance assez assez gothique. Tu l'as payé combien, Sandar? 3€. Là, je trouve que le prix c'est bien. Parce que j'ai aussi Batgirl sur sa moto et du coup, je me suis dit que Batman et Batgirl ils iraient bien ensemble sur leur moto. Moi je vais continuer avec un cadeau que m'ont fait Lise et Aurel pour pas changer. C'est encore une Hello Kitty peluche. Elle est vraiment très belle, celle-là elle est toute douce, beaucoup plus douce que celle que je peux avoir que d'autres. Elle a des petites cerises dans le. Oui, un petit nœud cerise. C'est une officielle Sanrio, hein, c'est une vraie, et de 2008. Une nouvelle Hello Kitty dans ma collection, j'en avoir quoi, une quinzaine maintenant, hein, je pense. Oh, même plus que ça. Moi je dirais une trentaine. Non, double. C'est impossible. Oh. Over the way,
Tumikumbe. Ah, tu veux montrer des jeux de PlayStation 2. Yeah. On a trouvé un peu partout, c'est pas, on a pas trouvé ça dans le même stand. Hein. Narnia, chapitre 1. Le chapitre 1, oui. Ouais, parce que oui, il y en a plusieurs apparemment. Ah, c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, non? Ouais, c'est ça, c'est un jeu d'aventure. Complet, pour 1,50€, franchement, c'est cool. Chicken Little, que Sarah n'a déjà en fait. Aventure intergalactique. C'est tiré du dessin animé que tout le monde connaît, mais moi aussi j'ai pas vu. C'est pour ça qu'il faut absolument que je rentre les jeux dans, ouais, dans l'application. Dans mais l'application de collection. Mais... C'est long à faire. 1€ le jeu, c'est pas grave, je l'avais déjà. Bon, si ça vous intéresse, on peut faire un petit échange ou alors on peut vous l'envoyer. Y a pas de souci. Drakan dit Ancient Gates, les portes anciennes. Les portails anciens. C'est une meuf sur un dragon qui crache du feu. Ouais, ça ressemble à un RPG, je connais pas. Alors est-ce que c'est un jeu d'aventure? Est-ce que c'est un RPG? Plus RPG, je ne sais pas, un tactical peut-être. Les dragons immortels de la race des esprits sont retenus prisonniers sur une ancienne planète du nom de Drakan. Malheureusement, il n'est pas complet, je l'ai payé 1€ aussi. La jaquette me plaisait, je n'ai jamais entendu parler, on va essayer. J'ai négocié le prix, il était à 2€. Et même que le mec, il m'a fait un clin d'œil. En fait, Sandar est drague pour dans les vide-greniers, moi pas du tout. Moi, mon charisme suffit, j'arrive, je fais bonjour. 50 centimes, cette chose qui était vendue 50€. Ah. Oui, monsieur, bien sûr, tout à fait. Au plaisir. Sarah, il fait des je vous donne ce truc gratuitement. Nous donnons aussi des petites leçons de vide-grenier pour négocier les prix. C'est 10€ de l'heure, c'est tous les jeudis soirs. Oui, et si vous êtes intéressé, je donne aussi des cours de couture. Je sais coudre les boutons et faire les surpiqûres. C'est 4€ de l'heure, hein, et je ne fais pas ça le week-end. Je vais enchaîner avec un jeu vidéo et une figurine, les deux achetés en lot sur le stand d'un ami. Une figurine de Star Fox. C'est Fox McCloud, d'ailleurs, son nom. Jeu Star Fox. Alors, Star Fox Adventure, Star Fox machin. Et d'ailleurs, je suis à la recherche. J'avais un jeu sur GameCube dont je suis fan, mais fan, mais fan. C'était Star Fox Adventure, je crois, qui s'appelait comme ça. Un jeu d'aventure action. Alors que normalement Star Fox est un jeu de vaisseaux spatiaux. C'est le genre de jeu que j'aimerais retrouver et refaire. Ce sont des figurines assez récentes, apparemment c'est du Nintendo officiel. Il y a 12 points d'articulation, je pense que je déballerai jamais. Je sais pas du tout ce que ça vaut, si ça vaut quelque chose en termes de, je veux dire, de cotation. Mais en tout cas c'est un objet que je suis très content d'avoir. Ce qui est malheureux un peu, c'est que dedans il y a une petite boîte avec marqué Mystery Accessory Include. On voit pas à l'arrière, c'est pas marqué, faudrait que je regarde sur internet ce que c'est, parce que si je déballe jamais, je saurais pas. C'est quoi le truc? Est-ce que c'est un god ceinture? Une fausse moustache? Est-ce que c'est un des chapeau lunettes, un chapeau lunettes, un chapeau des lunettes, des lunettes. Oh, elle a l'air déchirante, hein. Il l'a fait à 5€, mais je vous dirai le prix qu'il m'a fait pour le lot. Donc avec ça, il m'a vendu Innocent Life, a Futuristic Harvest Moon. Je ne connaissais pas ce jeu non plus du tout. La PSP, j'ai pas beaucoup de jeux, hein. J'en ai d'ailleurs, je peux vous le dire, j'en ai 4. Je l'ai acheté sans le connaître. Il le vendait 9€. Il y a pas de notice, malheureusement. Alors je sais pas s'il y a de la notice en... Non, c'est la PS Vita, il y a pas de notice. PSP, il y a des notices normalement. Je l'ai acheté parce que a Futuristic Harvest Moon, et je suis vraiment un fan de Harvest Moon. C'est cette série de jeu où vous êtes un paysan et vous gérez votre champ. À la manière de Farmville, ça. Farmville, c'est vraiment calqué sur du Harvest Moon en fait. Et c'était vraiment des jeux, moi, que j'aimais beaucoup, beaucoup quand j'étais jeune. Justement, j'en ai fait un sur GameCube aussi. Donc, je suis plutôt content. C'est pas le genre de jeu qu'on croise partout. 9€ et 5€. Il m'a fait le truc pour 12 au lieu de 14. Bien joué. Donc, je suis content. Ça fait un jeu à 8, une figurine à 4. Moi, j'ai trouvé deux belles figurines magnifiques. C'est pour Oho, une de nos abonnés, très abonnés. Deux calivres. Moche, mais c'est des souris. Et donc c'est très moche, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Oho fait la collection de souris en général. Ouais. Elle a une collection énorme, même énorme, de figurines, de petites peluches, jouets, souris. Et moi je vais enchaîner avec une souris que j'ai trouvée pour Oho aussi, hein. C'est les deux seuls, hein, mais bon, on en profite, on montre. Il manque une main, mais c'est pas grave, et c'est plutôt cool parce que c'est un personnage que moi par contre j'aime beaucoup, pour le coup. Vous allez peut-être pas voir, c'est tout petit, mais c'est une figurine, tu l'as dit, de... Fantasia. Elle est vraiment très jolie, avec un petit peu de brillant et tout, et je la trouve très belle cette figurine, même s'il manque une... Moi, Fantasia, c'est, pour la petite anecdote, c'est le dessin animé qui m'a fait découvrir la musique classique. Alors si vous voulez faire découvrir la musique classique de façon cool aux gens, et bah faut regarder Fantasia. C'est l'instant carte. Eh oui, c'est moi qui fais l'instant carte. Après Lise, et bah c'est mon tour. Parce qu'on en a marre que ce soit que Sarah qui fasse l'instant carte. Je vous ai montré juste avant donc le petit livre qu'on a trouvé. C'est un portfolio officiel Pokémon. Il y avait plein de rares et plein de rivers. Et surtout, il y avait un Salamèche qu'on n'avait pas. Et du coup, ça c'est trop cool. 3€. À chaque vide-grenier, pratiquement, on a trouvé des cartes. On s'est retrouvé avec un tas comme ça de cartes. À chaque fois, 10 centimes la carte. Je vais vous montrer certaines cartes. Nous avons un petit Spida, un Electek. C'est une vieille édition avec les deux étoiles. Le truc qu'on sait jamais, c'est comment ça s'appelle. Gwelis. Elle est trop cool. L'illustration, elle est trop trop cool. Infect. Niveau 1. Une vieille édition avec la montagne, qui avec de l'eau et de la montagne. C'est une très très belle carte, c'est Aquaquack Aquapolis. Elle est dans un état ignoble. Hein. Mediena. Ça, c'est moi qui l'ai choisi pour la montrer parce que je la trouve belle. Bonita.
Mais je suis sûre qu'on l'a. Bah, en édition 1, on a dit qu'on l'a. Ah oui, c'est vrai, édition 1. Pierre, on donnera à l'aise. Porygon, voilà, le petit Porygon de Triomphe. Des cartes illustrées qu'il faisait à l'époque. Donc là, nous avons Raichu qui va sauter sur Pikachu. Pikachu Surfer, Saran, il a la carte et elle vaut cher. Galekid, Magma versus Mini Draco et avec la belle illustration holographique. On l'a repris parce que on savait pas si elle était en aussi bon état parce que là, elle est genre trop bon état quoi. On va partir dans les cartes du McDo. Zorua, Maril, gros coucou à Oho parce qu'elle aime bien. Pikachu et Pikachu, tout à fait. Donc c'est une carte River. Tic, tac, tic. Tic, tic, tac, tic. 12 seconds later. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Chenille potelée. C'est une chenille avec des couilles, mais sur le menton. Elle est potelée. Ils ont fait expresser japonais de toute façon. Vite. Là, il y a des points, ça brille et tout. Mais c'est une reverse parce que là, il y a écrit le nom de l'extension. Une reverse et c'est Malos. Mascadra. Elle met du mascara. Puis il y a le nom de l'extension. Du coup, c'est une reverse et non pas une holo. Nosferapti, c'est pas une holo. Ok. Terraclope, il a qu'un œil. Et du coup, c'est un cyclope. Et ben, Sandar, l'instant carte. Alors, lise la semaine dernière. Sandar, cette semaine, ce n'est plus l'instant carte, c'est l'instant girl. Du coup, et ben, on va enchaîner sur une BD. Je suis plutôt content d'avoir trouvé ça. Tabernacle, une BD. Une BD. Exactement. Québec. Un détroit dans le fleuve. C'est une bande dessinée, donc ville de Québec, culture Québec, BD de Québec. Quatre duos d'auteurs franco-québécois s'unissent pour créer quatre histoires inspirées de la ville de Québec. Un cadeau unique pour le 400e anniversaire de celle qui fut le berceau de la civilisation française en Amérique. Jean du pays, c'est votre tour. Pourquoi je l'ai pris? Parce que je connaissais certains des auteurs, en particulier Jimmy Beaulieu, qui a travaillé sur Magasin Général. Il y a quatre styles différents de dessin. Exactement, parce que ce sont des duos auteur-dessinateur franco-québécois. C'est annoncé à 2€, je négocie à 1,50€. Et en plus, j'adore le sirop d'érable. Sur deux vides greniers, du coup, on a trouvé plein de mangas. Alors, pareil, c'est pas des trucs qu'on trouve souvent. Soul Eater Notes. Premier tome, parfait voilà. Pour découvrir. Exactement. Et donc ça, c'était trouvé, comme tu l'as dit, sur un vide grenier. Et vous allez voir tout le reste sur un autre. Celui-là, on l'a payé, du coup, 1€. Full Metal Alchemist. J'adorais les regarder en animé. Moi aussi, mais vraiment beaucoup. Ouais. Je trouve que c'est génial. Et super bien. C'est trop cool de trouver, bah, du coup, le tome 1 et 2 de Full Metal Alchemist. Ils sont vendus 6,50€, normalement. À 7,50€, ceux-là, jusqu'à ce que la mort nous sépare. De Hiroshi Takashi. C'est le tome pareil 1 et 2. Ça me dit quelque chose comme ça, mais je ne connais pas du tout. 4 tomes, alors ça porte à confusion parce qu'il y a le 0, 1, 2, 3. Mmh. Mais du coup, 4 tomes de Hubelblatt. Alors je sais pas si je le dis bien parce que la typo est très particulière. Un manga qu'on ne connaît pas non plus. Du tout, une voilà. Saga de Dark Fantasy, donc édition ouais, Kion. Être... Pourquoi pas, on découvre. Les dessins sont pas mal. Hein, les dessins sont beaux, hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Je trouve que les dessins sont vraiment ouais. Sympas. Ouais. Puis les couvertures sont super belles, ça m'a vraiment attiré, le côté un peu dark, gothique. Alors c'était 1€ le manga, il y en a 8 dans Slow, et je négociais le tout pour 6. 6, ouais, exactement. Ouais, pour 6€, ouais. Ouais, donc ça fait carrément pas cher du tout, ça vaut vraiment le coup d'acheter voilà, deux tomes pour découvrir des séries. On lit, on aime, on continue. Exactement. Moi je vais continuer avec un jeu et Sandar va finir avec le coup de fusil. Yeah. Alors c'est un jeu que j'ai payé assez cher. J'ai payé 3€, ce qui n'est pas mon habitude pour les jeux de Wii. Je sais pas si c'est extrêmement bien, mais c'est un Rayman. Rayman contrôlait le lapin crétin. Je suis pas trop fan des lapins crétins, je trouve pas ça très drôle. Et j'aime beaucoup Rayman, hein. C'est du jeu français. Rayman c'est toute mon enfance, ça. Et donc là c'est des mini-jeux un peu partout. Je pense que ça peut être sympa, ça joue à 4. Pour les petites soirées entre copains. Exactement, je suis toujours pour les jeux en multi. Je trouve qu'il faut avoir un maximum pour passer des bons moments. Donc là 3€, il était à 5, je l'ai baissé à 3. Heureusement il est complet, j'ai dit allez vas-y je tente. Le jeu était en nickel état. Un coup de fusil avec le cul de fusil. Le cul de fusil. Le cul de fusil parce que j'ai beaucoup Johnny. Ce sont 7 jeux Gamecube. Encore des jeux de Gamecube pour ma collection de Gamecube. Je suis trop content, on en a plein, on commence à en avoir plein. Ouais, plein, on a plus de place. Et on n'avait pas l'application pour la collection. Et j'avais peur d'en avoir certains doubles et on n'a aucun double sauf un. Et il n'était pas complet. Dans et ma collection, il n'est pas complet. Là, il est complet. Là, il est complet. Oui. Et en meilleur état. Oui, voilà. Parce qu'en plus, il n'était pas complet et la jaquette était vraiment en mauvais état. Je suis content. Mission impossible, opération sur ma. Need for Speed Underground. C'est celui-là que j'avais déjà, mais pas en complet. Celui-ci est. Complet. Oui, en très bon état. Need for Speed Most Wanted Wave Race Blue Star. Un jeu de jet ski pour le coup. Ouais. Je connais pas du tout non plus, mais pour la collection, pour le full set, et la couverture est vraiment marrante. Ouais, elle est quoi. Cool. Elle voilà, est complet.
Je suis très content. Tom Clancy's Splinter Cell, double agent. Oui, c'est double agent. Alors, double agent, je ne l'avais pas. J'ai Blacklist. Non, pas Blacklist, c'est pas possible, il n'existait pas encore. J'ai KO Theory que j'ai rentré la semaine dernière. J'ai une mémoire vraiment géniale. Et Splinter Cell, vous savez peut-être ou pas, mais c'est mon jeu d'infiltration préféré devant Metal Gear. 1 à 2 joueurs, et à 2 joueurs, c'est génial. James Bond, espion pour cible, donc le 007. Il est pas complet pour le coup, il est un peu abîmé aussi, il y a un des ailettes de pété. C'est cool, c'est... Surtout quand on a GoldenEye. Je l'avais pas. Au service du mal. Je l'avais pas, et ce titre, mais c'est il un... Très bien. Pour toi, Jojo, rappelle-toi, quand on était petite, on jouait à GoldenEye, mais toute la journée. Mais je suis tellement content de le rentrer dans la collection, quoi. Voilà, il est parfait, il est complet, je suis trop content. Le double CD, pareil. Ouais. Si vous avez des manettes de GameCube, d'ailleurs, à vendre, ça m'intéresse. Parce que... Jojo, si t'as encore des GameCube. Non, mais ça m'intéresse d'en acheter, j'en trouve pas forcément beaucoup, envie de grenier, et puis j'ai pas envie de les acheter sur eBay, parce que ça va être très cher. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, ça fait plaisir, ça nous fait devenir encore plus nombreux. C'est important Merci pour nous. Merci à tous pour les 400 abonnés. Parce qu'on a su ça au début de semaine que nous avions atteint les 400 abonnés, donc on est très contents. Merci à vous. On veut toucher un maximum de gens parce qu'on est des gros pervers. On voilà. est des gros toucheurs. Bisous, ciao, merci. Oh là, bisous, ciao, merci. À plus, ça fait Salut. Plaisir.